Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de JB Coaster. Alors aujourd'hui on est à Plopsaland de la Panne pour découvrir l'Ascar Night et découvrir la saison d'Halloween, donc c'est vraiment la dernière nocturne aujourd'hui. Là je suis devant The Ride to Happiness que vous connaissez déjà, hein, du constructeur McRide, un extreme spinning coaster que je vais aller faire tout de suite. Il y a mon pote Jérôme qui doit me rejoindre aujourd'hui donc sur Plopsaland, donc vous le verrez tout à l'heure. Vous avez déjà vu dans le parc Astérix. Et donc du coup là je vais aller faire un premier tour de Ride to Happiness. Le temps est pas terrible aujourd'hui. Aujourd'hui franchement il pleut. C'est... De toute façon on a vraiment pas de chance. Ici dans le nord il pleut tout le temps. En Belgique il pleut tout le temps. Enfin voilà. Donc on va aller faire tout de suite Ride to Happiness. Et comme ça après on continuera sur la journée. Je vais faire un vlog vraiment chill aujourd'hui. Vraiment au niveau des attractions vous les connaissez déjà. Je vais vraiment me concentrer sur Ride to Happiness, Anubis, le Gerschlauer d'ici et Heidi, le Wooden en bois qui est juste derrière moi. Et comme ça après on pourra vous faire visiter toutes les maisons hantées parce que normalement je pourrais filmer, il n'y aura pas de souci. Et comme ça on finira la journée comme ça voilà sur Halloween. Ça sera vraiment les attractions principales, les montagnes russes, les roller coasters, ainsi que les maisons hantées par la suite. Donc là je vais filer tout de suite sur Ride to Happiness pour pouvoir le faire une première fois parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de monde d'ailleurs. Donc c'est parti, allez go!
Bon bah c'est embarquement immédiat. Il y a personne. Vous voyez la file d'attente. J'avance, je suis seul. Donc c'est cool. Allez, on va aller faire ça une première fois comme ça. Profiter qu'il pleut pas trop là et ça s'est calmé un petit peu. Sortie de The Ride to Happiness, on a retrouvé Jérôme du parc Astérix que vous avez déjà vu comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il m'a rejoint. Et bah voilà, là on va aller sur Heidi maintenant, profiter parce qu'il n'y a pas de monde sur le parc, il n'y a vraiment pas de monde. J'espère que ce soir ça sera un peu pareil, comme ça si on peut profiter aussi d'Halloween. Bon, j'ai pris mes Scary Pass, mais j'espère que du coup il y aura un petit peu de monde quand même parce que j'ai l'impression que je les avais repris pour rien sinon. Je voulais me la péter, passer devant tout le monde. C'est clair. Pour une fois que j'ai des passes. Enfin. Parce que là. Ah ouais, non, c'est. Ça va être chaud quand même. Bon, du coup, là, on arrive sur Heidi, on arrive là. On est juste devant. J'ai vraiment envie dans le parc. Ah ouais, là, c'est désert complet. Ah ouais, regardez. Là, on mange bien. Zeus. Voilà sur Heidi, donc un wooden coaster. Vous connaissez déjà, ceux qui ont l'habitude de voir mes vlogs, vous avez déjà vu, là vous l'aurez en bonne qualité avec ma nouvelle caméra. Comme ça je peux en profiter un petit peu de ma caméra. Le temps n'est pas parfait, hein. Vous voyez il pleut, mais j'essaie de vous faire un maximum aujourd'hui. Hein. Allez, let's go, c'est parti pour Heidi. Voilà, avec une théma toute simple, basique, mais voilà, c'est. Ça représente vraiment bien l'histoire du dessin animé, quoi. Je veux dire, en fait, en gros, la storyline, c'est on chute en luge, en fait. Voilà, c'est ça, sur la montagne d'Heidi, comme dans le dessin animé. Moi, je pense qu'il doit y avoir un dessin animé, je connais pas du tout ce dessin animé, mais. C'est les anciens qui connaissent.
Matthew First avec Jérôme. Sous la flotte. Bon voilà, on est sorti de Heidi, donc très cool hein, comme d'habitude. Heidi très smooth, rien de trop sensationnel comparé à d'autres wooden en bois, c'est sûr. Mais si vous voulez commencer par un premier wooden, je veux dire, pour les petits, c'est très bien. Heidi en plus, il vibre pas, c'est très agréable à faire. Et là, on va aller sur le dragon maintenant. Donc, le dragon qui est un powerhead de chez Mac, il me semble. Hein. C'est du Mac. Hein. Voilà, donc on va aller tout de suite et comme ça on continuera peut-être sur Heidi, sur Anubis pour faire le... Donc Anubis qui est un roller coaster de chez Gerschlauer, hein, similaire à Fury, un peu à Bob's Island que vous avez. Bon, pas le même système de tracking, mais je veux dire le même système, le même constructeur quoi. Avec un launch aussi au début, un top hat. Voilà, il ressort... C'est un powerhead en fait, comme vous avez à Europa Park, celui qui a cramé avec la pénurie qu'il y a eu sur le parc. Donc un powerhead hein, classique. Bon, c'est Europa Park reste plus boost. Celui, vous avez jamais fait celui d'Europa Park, il devrait rouvrir normalement l'année prochaine avec les travaux qu'ils vont refaire dessus. Mais celui-là, il est vraiment plus lent, quoi. C'est pas la même chose. Parce qu'on a une immersion de celui de Europa Park quand on passe à l'intérieur. Si vous n'avez pas vu mon vlog, allez voir. Ils sont en deux parties sur Europa Park, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et comme ça vous verrez un peu la différence. Vous passez dans un tunnel et là vous gagnez en vitesse. On a l'impression de passer de vitesse en fait, d'avoir beaucoup plus de vitesse, que celui-là reste vraiment plus lent. Sorti du dragon, hein, c'était pas ouf. Hein, voilà, c'est vraiment pour dire de le faire. Et là, on va aller sur. On continue avec K3. Donc, ouais, là, on arrive du coup sur K3. Donc, un roller coaster familial. Hein, mais vu le débit qu'il y a cette attraction, je préfère la faire tout de suite. Hein, parce que là, il y a vraiment personne dans le parc. Et à chaque fois qu'on vient sur cette attraction, bah, le problème c'est qu'il y a toujours du monde et c'est comme Tiki Waka. Voilà quoi, il n'y a qu'un train et c'est le bordel. Donc là on y va, on va aller tout de suite. C'est parti, go.
avec un embarquement immédiat, hein, pratiquement. Ouais, franchement, c'est cool. Hein. En plus, la pluie commence à se calmer un petit peu là. Et ça, c'est bien. Tu prends quelle basket? Mon frère aujourd'hui pour faire leur coaster Tycoon. Ah, c'est sympa. Ça c'est bien pour le jardin ça. Un petit coaster comme ça là, ça serait cool ça. Ça nage un peu sec mais il est smooth hein. Bon voilà, on est du coup là, on vient de sortir de K3 comme bien apprécié, c'était super sympa, beaucoup mieux que le dragon déjà si vous préférez aller plutôt vers celui-là, et moi je trouve qu'il est beaucoup mieux déjà au niveau familial, je parle pour les petits si vous voulez le faire. Bon voilà, on s'arrête vu qu'Anubis est en panne pour l'instant par la pluie. On s'arrêtait là au café FC pour aller boire une petite bière comme d'habitude, hein. Je change pas les habitudes. J'ai prévu mon pique-nique aujourd'hui parce que Plopsaland, j'aime pas trop la bouffe ici, donc niveau des steaks et tout, le biki c'est pas trop mon truc. Donc là on va aller s'arrêter pour boire une petite bière à manger, comme ça on pourra reprendre directement après la journée. On va se concentrer plus maintenant après sur Halloween, il y aura encore un petit peu de plans que je vais vous faire par-ci par-là. Surtout Anubis qu'on a pas eu, mais je pense qu'on s'arrêtera là pour ce qui est du parc. On va se réserver pour ce soir, comme ça je vous filmerai toutes les maisons hantées, toutes les zones, et de toute façon le parc vous le connaissez déjà, mais n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me ferait super plaisir. On arrive bientôt sur les 600 là, donc ça fait vraiment plaisir, tout ça c'est grâce à vous. Allez, on va rentrer, on va aller boire un petit peu parce que la langue sèche comme une pantoufle. Bon, c'est bien rafraîchi la pince. Et du coup maintenant on va aller sur Anubis qui était fermé tout à l'heure pour la pluie. On vient de le voir tourner, donc on va aller tout de suite dessus. Avant qu'il pleuve. Voilà. Allez, on va essayer de le faire au first aussi pour vous le capter aussi à l'avant. Comme ça vous l'aurez aussi en bonne qualité. Allez, c'est parti, let's go pour Anubis. Thank you.
Il est bien. Ah oui, c'est le côté qui m'a tapé. Bon, on est sorti de Anubis du coup. Incroyable, comme il d'habitude Anubis. Et là, on va aller sur le théâtre Proximus, c'est ça? Ouais. Théâtre Proximus, donc un spectacle de chant. Je n'y connais pas trop, c'est Jérôme qui m'a conseillé ça. Donc qu'est-ce que c'est Jérôme, tu me dis? C'est Pete Pirate. Hein. C'est un spectacle sur quoi? Bah, c'est un pirate qui chante. Un pirate qui chante, on va aller voir ça. Yo ouais. Ho, yo ho le... Voilà, on est dans une salle que je connaissais pas du tout encore, j'étais jamais rentré encore ici. Avec des beaux lustres. Donc c'est vraiment une salle de théâtre. Alors voilà, c'est une salle de théâtre, vous voyez, un peu comme du cinéma. Ok, qu'un show, on verra bien ce que c'est. Je connais pas du tout. Donc là, je vais aller pisser parce que j'en peux plus. On va essayer de trouver des toilettes et on va rejoindre Jérôme. Je comprends rien, les amis. Bon voilà, sortie du spectacle. Bon, j'ai pas très bien compris, mais en tout cas, c'était vraiment joli à voir avec les pirates, tout ça, pour ceux qui connaissent un peu la série, parce qu'apparemment, il ferait partie d'une série, ce pirate qui chante, ici en Belgique, où je connais pas du tout. Et là, maintenant, on va aller sur le nouveau Dark Ride d'ici, donc le Circus Boomba, la nouvelle zone qu'ils ont fait ici à Plopsaland, donc c'est vraiment la dernière attraction qu'ils ont sortie ici. Donc on va aller visiter ça tout de suite, allez, c'est parti. Comme ici, avant, on avait des palissades, on voyait rien du tout. Ils nous ont fait une belle entrée sur le cirque. Bon, de toute façon, c'est mignon, ça reste pour les petits. C'est vraiment un peu ambiance ce festival carnaval, vous voyez, comme à Efteling que j'ai fait. Donc on va aller faire ça tout de suite, c'est un dark ride dans des petites voitures sur le thème du cirque, des petits personnages, tout ça. Allez, go. Avec un petit merchandising. C'est le personnage qu'on retrouvera dans l'attraction. Un petit clown. Donc voilà, avec la zone indoor. Donc voilà, avec le restaurant juste là-bas où vous pouvez manger tout ce qui est fast-food. Ils ont ouvert directement à la zone indoor. Vous avez tout, des aires de jeu pour les enfants avec des boules. Il y a même une scène de théâtre où ils doivent jouer des spectacles à mon avis ici. Et juste ici, du coup, on a l'attraction, voilà, le nouveau Dark Ride de Boomba. En voyage avec Boomba. Merci. Oh Boomba! Regardez, Boomba fait un numéro. On part pour la vie. Il fait
fait froid dans la neige. Ah bon? Nous allons dans l'espace. En bateau? À trottinette? En fusée? Non, on se croirait dans Peter Pan là. Non, on se croirait dans Buzz l'éclair. Laser Blast. Ouais. Ouais, pas mal, non, c'est beau, franchement, c'est magnifique. On va dans la jungle. À vélo? Non! En train? Non! En jeep? Oui! Barry fait dodo. Oups! La jeep est coincée dans la boue. Allons sous l'eau, en sous-marin. C'est beau les lumières allumées comme ça, dans les fluos comme ça. Tant de poissons. Ça fait penser à Nemo et tout, les couleurs. Ouais, j'adore. Après, on n'a pas payé partie de la suite des États-Unis. Ouais. Encore mieux. Ouais. Mais les lumières, elles sont super bien projetées. Pour quelque chose, même des, c'est assez cheap, tu vois, les décos. Ouais. Mais je veux dire, c'est bien interprété et c'est beau. Boomba saute sur le trampoline. Le moment est venu de se dire au revoir. Le goût de valider, hein, c'est beau, c'est mignon. Ah voilà, super ce petit Dark Ride là, franchement, bien interprété, les objets comme je disais, ça reste cheap, ça fait comme Peter Pan. Les animatroniques, il y en a quelques-uns qui bougent super bien je trouve. Les lumières sont bien mises par rapport aux objets, franchement, non, rien à dire. Très très beau et à faire avec votre petit sans hésiter, parce que des Dark Ride comme ça, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup ici. Voilà, on se dirige tout de suite vers la forêt de Plop. Donc pareil, il y a un boat ride, dark ride, sur le thème des lutins, sur le thème de Plop, quoi, sur un peu le thème du parc. Hein. Donc c'est parti, on va les faire, parce que la dernière fois, il était en maintenance. Dans mon dernier vlog, quand j'étais avec mon petit, on voulait le faire et il était en maintenance, il était un petit peu déçu. Donc là, on va aller tout de suite le faire, comme ça, je vais voir ce que ça donne aussi avec la caméra, dans, vraiment, quand c'est fort nuit. Bon, j'avais vu un peu dans les maisons hantées, c'est pour ça que j'ai coupé beaucoup aussi dans les maisons hantées à Walibi. Parce que c'est vrai qu'il y a des passages où on voit pas grand chose et même qu'on a une bonne caméra dans le noir, on peut rien y faire. Donc voilà, on cherche un trésor, là mais on l'a pas encore trouvé. Par les poneys et les moutons. Bonjour. Oh,
Airtime. La drop est là. Descente. Elle se propose top normalement. Ah, c'est la photo. Bon voilà, on approche tout doucement de la soirée des Scarnailles de Plopsaland là. On arrive sur presque 6h, donc ça va bientôt débuter. Là on a refait un tour de Ride to Happiness qui était excellent. Un des meilleurs rides que j'ai fait, même si c'était sous la pluie. Et là, du coup on est sur Haïti. À mon avis, il tourne sur deux trains parce que la file d'attente avance assez vite. Et comme ça après on pourra aller se diriger vers les maisons hantées tout doucement. Et finir la journée sur ça. Hein. Bon voilà, on vient d'aller en boutique. J'ai dû aller changer ma lanière, le Scarpass, pour la soirée, pour passer directement aux maisons hantées. J'ai dû aller changer parce qu'en fait le papier c'est du carton en fait. Et du coup ça s'est décroché du bout, vous voyez. Et donc, comme vous voyez en fait, donc du coup avec ce pass là en fait vous avez accès directement aux trois maisons hantées. Qui est Krampus. Candy Steam et la dernière Madrat. Donc sinon les maisons hantées sont gratuites, attention, mais si on fait ça c'est vraiment pour passer devant tout le monde parce que c'est vrai qu'il risque peut-être d'avoir un petit peu de monde sur les maisons hantées et pour pas partir trop tard aussi. Voilà, donc on va aller se diriger tout de suite maintenant sur la première maison hantée, on va voir laquelle on va faire, de toute façon vous verrez quand on arrivera devant. Et du coup Jérôme aussi a craqué, il a pris son Scary Pass aussi. Eh ouais, parler plus vite. T'es prêt à avoir peur? Oh, ils me font même plus peur. T'as plus rien qui te fait peur, moi. Non, plus rien. Bon voilà, on va se diriger tout de suite vers la première zone, donc la zone de peur. Donc c'est une Scar Zone qui s'appelle Scarro. Donc sur le thème des épouvantails. Sur le thème des épouvantails, donc on va aller voir. Apparemment ça serait pas une Scar Zone, d'après dans les vlogs de Jean Yop, ça serait plus une maze, plus qu'une Scar Zone. Donc on va aller voir ça tout de suite. Vas-y, avance, Hugo. Chauffeur, tu veux que je passe devant? Thank you.
Gratter les couilles, c'est bien. Une bonne griffe comme ça. Une bonne griffe de Freddy entre les couilles. Voilà, sortie de la maison hantée du coup de Scarro. On peut appeler ça même une maison hantée, hein. C'est considéré comme une Scar Zone, mais on peut dire que c'est plus une maison hantée. C'est vraiment enfermé et très très bien, beau, pas forcément peur, mais très très beau. Et franchement, bravo Plopsaland pour cette Scar Zone parce que vous êtes vraiment gavés. Donc là, on va continuer maintenant sur Chakma. Donc c'est aussi une Scar Zone sur le thème des Vikings cette fois-ci. Donc on va aller faire ça tout de suite, comme ça après on enchaîne sur les trois dernières maisons hantées pour finir la vidéo. Allez, let's go pour Chakma. Voilà, sortie de la Scar Zone chaque mode sur le thème viking. C'était vraiment cool, pas mal. Bon, moins bien que la première, attention, mais bien décoré, les acteurs sont là et ça fait le taf. Franchement, ça fait le taf. Donc là, on est vraiment devant la dernière maison hantée, la première maison hantée qui est Candy Steam, donc sur le thème des bonbons horrifiques. Je vais vous montrer un peu l'entrée, comme ça vous pourrez voir, et comme ça on va enchaîner directement avec nos Scar Pass. C'est parti. Thank you.
Sponsorisé par Smack Trésor aussi, cette maison hantée, je vous l'avais pas dit. C'est vrai en plus. Bon voilà, sortie de la première maison hantée. Belle, très jolie, il y a quand même des beaux déguisements, tout ça, des beaux costumes. Par contre, manque de peur. Juste après, c'est mon avis, manque de peur, on était beaucoup aussi dans la maison hantée, il faisait rentrer beaucoup de monde. Mais sinon, ouais, beau décor, mais j'ai toujours une préférence pour la Scar Zone des épouvantails pour l'instant. Mais là, on va continuer, on va aller sur les deux dernières qui nous manquent à faire, là, avant de finir sur la journée. Bon voilà, on se retrouve devant Krampus maintenant, donc la maison hantée, la deuxième maison hantée. Donc c'est parti, go, allez, on y va. Be careful. Please be careful. Krampus is here. Krampus is coming. Be careful. No run. No run. Go, move faster. Krampus is here. No run. Be careful. Putain, c'est bien fait, hein, les trucs. Hein. Piano. Oh là. Casse-noisette. Oh, au secours, au secours. En plus qu'il est là. Moi je trouve déjà elle est un peu plus immersive. Oh putain. Krampus wacht op jullie. Sneller. Elle est plus immersive, je trouve, celle-là. Waouh, 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 wow. Je l'ai pas vu au début. Le bonhomme de neige. Sympa. Abonnez-vous à la chaîne.
Bon voilà, on est sorti de Krampus, on a pu croiser des abonnés, c'était cool. Donc voilà, donc là maintenant on est sur Madrat, donc la dernière maison hantée. Sinon ouais, Krampus validé, je l'ai préféré à Candy Steam niveau peur. Bon, après Candy Steam c'était un peu plus coloré, c'est sûr, parce que c'est sur le thème des bonbons. Mais Krampus est très très bien aussi, et beaucoup plus... J'ai sursauté deux fois dans la maison hantée, moi, entendu dans la vidéo. Pourtant, d'habitude, je suis pas trop flippette, mais là, franchement, ils m'ont vraiment bien surpris. Et les décors sont vraiment, vraiment beaux aussi, bien immersifs. Donc là, on va aller sur la dernière, qui est du coup, qui est sur le thème des rats. It's your last chance! Choose a color, red or green, and remember, touch my rats! Keep moving! Walk! Walk! Twice. Rule number one of my maze, you have to follow your team. Team red on this side, and team green on this side. Three, two, one, Oliver! Let's go! Good luck, eh? Fast! C'est lent ça. C'est une actrice. Putain, ça tue. On voit pas bien là, faut que je sois le masque. Par Fanta. Bon voilà, on est sorti de la maison hantée de Madrat, du coup c'était très bien aussi, plus en extérieur, c'était vraiment en extérieur, mais sinon ouais, plus surpris aussi. Par contre j'ai préféré Krampus pour la peur. Maintenant, une Madrat c'était vraiment bien aussi, et franchement n'hésitez pas à venir, hein. Bah maintenant là c'est sûr que c'est la fin de saison, mais pour l'année prochaine si elles sont encore là, franchement validé, hein. Pour moi les maisons hantées sont bien, on peut pas dire que ça fait peur. Mais elles sont très belles et bien appliquées. Bien appliquées, ouais. Magnifique. Voilà, donc là, on va aller refaire un dernier petit tour de Ride to Happiness de nuit. Et après, on se retrouve pour, du coup, pour le débrief de la fin de journée.
de nuit là, c'est parti. Une première, comme la semaine dernière quand on dort. Franchement, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'est clair. Putain, là, ça me rappelle Tonnerre de Zeus, le lâcher en arrière là. Ah ouais. Oh putain. Ah, c'est clair. T'es tiré comme une merde à l'arrière. Ah ouais, complètement. Ah non, c'est beau. Ça, c'est un bijou, hein, cette attraction. Putain. Ça, c'est clair. On a de la chance de l'avoir ici quand même. Bon, bah voilà, les amis. Voici à l'arrivée à la fin de la vidéo. On a refait un petit tour de Ride to Happiness qui était vraiment excellent en fin de journée. Franchement, et bien chaud. Oui, bien chaud. Bien chaud, bien chaud. Et du coup, maintenant, bah, voilà, c'est la fin de journée. On veut quitter Jérôme. Bah ouais. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et continuez à vous abonner. On arrive aux 600, les amis. C'est super. Et tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Je vous en remercie vraiment. Ça me fait super plaisir. On monte de plus en plus. Et voilà. Donc... un gros bisou à tous et à la prochaine pour des nouvelles vidéos. Donc maintenant il n'y aura plus de parc, ça sera du Planet Coaster. Il y aura Batman Gotham City de Parquet Warner qui arrive sur ma chaîne YouTube aussi. J'ai encore du boulot, hein, attention, mais voilà. Et je vous prépare aussi la vidéo. Ouais. Mais là je vous prépare du coup la vidéo aussi des États-Unis que je vous ai promis aussi. Et aussi une vidéo aussi bientôt que je prépare aussi sur la... sur la sécurité dans les roller coasters pour rassurer un peu les gens quand ils montent dans un roller coaster, les harnais de sécurité et tout, voilà. Donc tout le bazar, je vous expliquerai un petit peu. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus. Salut, salut.